Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo YouTube. Alors, la semaine dernière, nous avons vu l'imparfait, la semaine d'avant, le présent. Maintenant, nous allons attaquer le futur. Alors, pour commencer, vous pouvez aller sur Google Classroom et ici, vous allez pouvoir voir la petite carte sur le futur. Donc, ensemble, nous allons commencer avec quand est-ce qu'on utilise vraiment le futur. Le futur, c'est pour parler de quelque chose qui va se passer plus tard, après, demain. Ces petits mots de vocabulaire peuvent vous indiquer qu'il est absolument nécessaire d'utiliser le futur. L'imparfait parle du passé et le présent parle, on utilise quand on parle de choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Donc, maintenant, nous allons voir le futur. Donc, c'est, comme je vais me répéter, quelque chose, un temps qu'on utilise quand on parle de choses qui vont se passer plus tard. D'accord? Donc, les verbes du premier et du deuxième groupe, comment on les forme? Donc, comment on forme le futur avec les verbes du premier et du deuxième groupe? Donc, si on regarde ma petite carte ici, il y a écrit infinitif plus la terminaison du futur. Alors, on va commencer. Je vais prendre mon ardoise. Et on va tout d'abord réviser les terminaisons du futur. Alors, le futur. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord écrire ici hein, les terminaisons. Terminaison. Et comme vous savez, j'aime d'abord écrire les pronoms personnels. Donc, les terminaisons. Les pronoms personnels sont je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S. Donc, voilà, j'écris d'abord les terminaisons. Donc, avec je au futur, il faut écrire A, I. Avec tu, A, S. Avec il, elle, on, A. Avec nous, O, N, S. Avec vous, E, Z. Et avec il, avec un S, elle, avec un S, O, N, T. Donc, ça, ce sont les terminaisons du futur. D'accord, c'est bien. Mais maintenant, comment on forme le verbe? Donc, sur la petite carte, il y a écrit qu'il faut prendre, avec les verbes du premier et deuxième groupe, qu'il faut prendre l'infinitif. Il faut prendre l'infinitif du verbe et ensuite rajouter les terminaisons. Donc, si je prends le verbe parler, qui est un verbe du premier groupe, avec je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec un S, elle avec un S, j'écris l'infinitif partout, parler. Parler, 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 parler et parler. D'accord, super, j'ai écrit les verbes à l'infinitif. Et donc maintenant, il faut que je rajoute les terminaisons. Donc je vais prendre une autre couleur. Oui, je vais prendre un noir. Et voilà. Je vais écrire ensuite les terminaisons. Donc, je parlerai à I, tu parleras à S, il, elle, on parlera, nous parlerons au NS, vous parlerez EZ, il avec un S, elle avec un S, parleront au NT. Et voilà, donc ça c'est les verbes du premier groupe. Donc, je me répète, on écrit les verbes à l'infinitif et ensuite, il faut rajouter les terminaisons. Et là, nous avons créé le futur. D'accord? Nous avons conjugué le futur. Donc, j'ai pris l'infinitif du verbe et j'ai rajouté les terminaisons. Et ce qui est bien avec le futur, c'est que pour les verbes du deuxième groupe, c'est exactement la même chose qu'il faut faire. Donc, c'est la même chose qu'avec les verbes du premier groupe. On prend
Donc, l'infinitif. Donc, je vais prendre le verbe finir. Et on écrit partout finir. Donc, avec je, tu, il, elle, on écrit le verbe finir. Et ensuite, je vais vous montrer. Hein. On prend le verbe finir et ensuite on rajoute les terminaisons. A-I, A-S, A, O-N-S, E-Z, O-N-T. Donc ça fait je finirai, tu finiras, il, elle, on finira, nous finirons, vous finirez, il avec un S, elle avec un S, finiront. Et c'est comme ça qu'on forme donc les verbes du premier et du deuxième groupe au futur. Alors, maintenant que nous avons vu les verbes du premier et du deuxième groupe, ce que nous allons faire, c'est que nous allons voir les verbes du troisième groupe. Donc, les verbes du troisième groupe, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, si vous regardez ma carte ici, vous allez voir les verbes à l'infinitif, comme le verbe prendre, partir, être, avoir, faire, vouloir, pouvoir, aller, dire, voir, venir. D'accord ? Et ici, vous avez le radical qui est modifié. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire le radical modifié et ensuite, tout simplement, rajouter la terminaison. Donc, si je prends, par exemple, le verbe être. Alors, le verbe être, on regarde sur la petite liste. Ah, être, c'est S-E-R. Donc, si je vais écrire une phrase au futur, je dois écrire d'abord mon radical modifié. Donc, par exemple, je vais écrire plus tard, je serai un pianiste, par exemple. D'accord ? Plus tard. Je serai, donc on a le radical modifié et on a la terminaison du futur. D'accord ? Et donc ça, c'est avec tous les verbes du troisième groupe. Il faut juste apprendre par cœur le radical modifié. Donc par exemple, si on veut dire, on veut utiliser le verbe aller, on voit que le radical modifié, c'est hier. Donc, plus tard, tu iras, par exemple, tu iras à la plage. Et donc là, on voit la même chose. On voit le verbe aller, on voit le radical modifié et la terminaison du futur. Donc, par exemple, on va en faire un dernier. Demain, nous ferons les courses, par exemple. Demain, nous ferons les courses. D'accord ? Demain, nous ferons. Donc, on voit de nouveau le radical modifié. Et la terminaison du futur. Donc ça, ce sont les verbes du troisième groupe. D'accord ? Donc, si vous voulez regarder plus en détail, vous pouvez regarder sur Google Classroom, cette petite carte, et vous avez une liste de tous les verbes du troisième groupe et de leur radical modifié. Et c'est comme ça qu'on forme le futur des verbes du troisième groupe. Donc, le radical modifié plus la terminaison du futur, avec je, A-I, avec tu, A-S, avec il, elle, on, A, avec nous, O-N-S, avec vous, E-Z, avec il avec un S, elle avec un S, O-N-T. D'accord ? Donc voilà, donc ça, c'est la conjugaison des verbes au futur. Maintenant, vous avez quelques exercices à faire. Alors, on va commencer avec les exercices de cette page-là. Hein. Et ce sont les exercices 6, 8 et 9 que vous devez faire. Donc, l'exercice 6,
Lis ces phrases. Recopie-les en mettant les verbes au futur. Donc, toutes les phrases ici sont au présent. Hein, et vous allez devoir les écrire au futur. Donc, ça, c'est l'exercice 6. Ensuite, l'exercice 8. Recopie et complète les expressions avec les pronoms personnels sujet qui convient. Donc, ici, vous avez les verbes qui sont conjugués déjà pour vous au futur, mais il manque les pronoms personnels devant les verbes. Donc, il faut bien écrire les pronoms personnels qui manquent. Ensuite, exercice 9. Lis le texte et observe les verbes conjugués, puis réécris le texte au futur. Donc là, c'est tout un petit texte, un petit paragraphe qui est écrit au présent, mais maintenant, il faut le recopier et l'écrire au futur. D'accord? Donc, cet été, le soleil brillera, etc. Donc ça, ce sont les premiers exercices que vous devez faire. C'est surtout des verbes du premier et du deuxième groupe. Mais vous allez aussi devoir voir les exercices pour les verbes du troisième groupe. D'accord? Donc ici, vous devez me faire les exercices 9 et 10. Donc l'exercice 9. Réécris chaque phrase en utilisant le pronom, le pronom singulier. Donc ici, les phrases sont écrites avec des pronoms personnels qui sont au pluriel. Donc par exemple, il avec un S, voudront revenir l'année prochaine. Donc plutôt que de mettre il avec un S, vous allez écrire il sans S. Ça, le pronom est au singulier. Ensuite, l'exercice 10. Recopie le texte et conjugue les verbes entre parenthèses au futur. Donc là, vous avez des verbes entre parenthèses et il faut les écrire au futur. D'accord? Et finalement, vous avez des exercices sur le futur des verbes être et avoir. Et là, il faut faire l'exercice 5 et 9. Donc 5, ici, vous avez les verbes entre parenthèses à l'infinitif et il faut le conjuguer au futur. Donc elle, être, partie de, à mon retour, elle sera. D'accord? Donc ça, c'est l'exercice 5. Ensuite, exercice 9, recopier et mettre ces phrases au pluriel comme dans l'exemple. Donc là, vous avez par exemple, il sera en rendez-vous à 13h. Ben là, il faudra mettre il avec un S, seront en rendez-vous à 13h. Donc, de bien faire attention. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez toujours venir mercredi. Ça sera notre dernière session Zoom de français et je vais pouvoir vous aider avec les exercices. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci.